Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon setup. Vous le savez, hein, le cross-save va être mis en place sur Destiny 2 et nous on a décidé de passer de la PlayStation 4 au PC. Du coup, je me suis dit que c'était une bonne occasion pour vous présenter mon setup. J'ai décidé de plus s'orienter du coup vers l'utilisation d'un PC, bien évidemment. Alors j'ai toujours la PS4, je vais toujours la garder, je vais pas la vendre, ne vous inquiétez pas. J'irai toujours de temps en temps sur PlayStation, mais du coup, je serai principalement sur PC ainsi que ligne et ainsi qu'une grande partie du clan zombie. Également, qui est déjà sur PC depuis un moment, mais sur d'autres jeux, ils attendent évidemment le cross pour se remettre à destiny. Et du coup, voilà, je me suis dit que c'était une bonne occasion de pouvoir vous présenter mon setup. Alors, déjà, je vous présente la petite caméra avec laquelle je vais filmer tout ça. C'est euh, une DJI, euh, je sais même plus c'est quoi le modèle. Enfin, c'est une petite DJI que j'avais acheté, je l'avais acheté assez cher. Hein. Ça coûte cher ce, ce petit truc. En fait, tu peux l'orienter comme tu veux, tu vois, tu as une petite nacelle en haut qui tourne pas. Donc c'est très pratique. Et je vais utiliser mon iPhone également dessus pour filmer, comme ça voilà. Au moins tu sais le matos que j'utilise pour pouvoir filmer tout ça. Et également je m'excuse, j'ai dû me mettre dans le noir en fait, j'ai une fenêtre à côté, il fait encore jour, hein. mais ça fait tellement de lumière que tu vois rien. J'ai déjà filmé cette vidéo une fois, c'était pas terrible, du coup j'ai tout fermé et tu auras la lumière artificielle. Bon, c'est moins bien que la lumière naturelle bien évidemment, mais au moins tu verras mieux tout ce que je vais filmer. Allez, c'est parti donc voilà tout d'abord je te présente mon setup en vue d'ensemble Alors excuse moi voilà pour le petit focus si c'est fait c'est bon Et du coup alors avant toute chose certains vont me dire oui tu as déménagé etc Alors faut savoir qu'en fait ici c'est mon lieu de travail J'ai un appartement de fonction puisqu'avant je rentrais tous les soirs chez moi Et maintenant mon emploi du temps a changé et en fait bah voilà je rentre pas tous les soirs je rentre que le week-end chez moi C'est un petit peu compliqué surtout quand t'es papa depuis pas très longtemps Mais bon ça va pas durer hein. c'est pour l'été Après fin août ça va changer Mais en tout cas voilà du coup j'ai remis tout mon setup Puisque le soir bah pour pas m'embêter pour voilà, pour passer un petit peu le temps. Mais je joue, tout simplement. Je joue. Et des fois, j'ai du temps libre un petit peu la journée également. Donc, je peux me poser ici. Et c'est également mon, mon PC pour le taf. Il faut savoir que j'utilise ce PC. Donc, euh, toujours, en fait, j'ai ma, ma boîte mail dessus. Mes mails qui tombent, mes réservations. J'envoie mes factures. J'ai plein de choses à envoyer là-dessus. J'ai également des tableurs Excel, de la comptabilité que je fais là-dessus. Donc, voilà. Ça me sert pour geeker, pour faire les vidéos, mais également principalement pour le taf en fait j'utilise même plus ce pc pour le taf qu'autre chose maintenant euh, du coup voilà alors dans la vue d'ensemble alors derrière tu le verras pas mais il y a une tour en bois je te la montrerai pas forcément mais il y a quelques goodies destinés etc mais c'est pas très bien rangé j'ai pas tout ramené je pourrais te le montrer à la limite dans une autre vidéo j'ai toujours mon fauteuil gaming ici alors on dirait qu'il est nickel toujours et je te garantis que le chat il s'est fait plaisir il a bien fait ses griffes dessus mais bon ça fait longtemps que je l'ai hein, ce fauteuil là je l'ai acheté en 2014 je crois ouais 2000... non 2016 je l'ai acheté en 2016, voilà, je me trompe, 2016, donc ça fait déjà 3 ans que je l'ai. Et le chat s'est fait plaisir, mais c'est toujours très confortable. Franchement, ça bouge pas niveau qualité, c'est top. Et voilà la vue d'ensemble de, 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 mon, de mon setup. Alors, avant de te présenter tout dans le détail, je te tiens, je tiens pardon, également à te dire qu'il y a des choses que j'ai achetées. Je te dirai le prix, combien ça m'a coûté. Par exemple, le fauteuil qui m'avait coûté, je crois, 300 euros. Mais il y a des choses qui m'ont été offertes également. Et je te dirais bah, euh, les marques, etc. Et je te dirais bah, pourquoi également j'ai accepté de recevoir ces objets, puisque je ne rece... voilà, vais pas accepter de recevoir un objet pour recevoir un objet. Il y a, voilà, derrière, c'est quand même que c'est un objet de qualité et que je me suis renseigné sur, ce, euh, sur cet objet-là. D'ailleurs, on va commencer par le bureau. Et le bureau, en fait, c'est un, enfin, un, oui, un objet, un meuble qui m'a été envoyé il n'y a pas très longtemps par Ultradesk. Donc tu peux voir la marque ici. Et en fait, tout simplement, alors j'ai reçu un mail, on a reçu un mail avec Lynn qui nous disait voilà, nous on veut vous envoyer un bureau. La seule contrepartie que vous ayez à faire, c'est de présenter dans une vidéo. Alors de toute façon, j'avais prévu depuis longtemps de faire une vidéo setup et euh, d'en de, parler de temps en temps en stream, de mettre des photos sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça a été fait également. Donc c'était la seule condition. Alors bien évidemment, j'ai regardé un petit peu les avis clients auparavant j'ai également regardé un petit peu les produits qu'ils proposaient à la vente. C'est normal. Et du coup, j'ai vu que ces bureaux étaient plutôt bien notés, etc. Et j'ai accepté. Alors, j'ai choisi mon bureau. Hein. Tu as plusieurs modèles. C'est un des plus grands. Alors, on ne s'en rend pas compte hein, sur la caméra, mais il est vraiment très grand. Je peux mettre trois écrans, en fait. Euh, si vraiment ils sont collés, tu as trois écrans qui passent. Et du coup, c'est le. XXL Space ou le Space XXL Je sais plus exactement Mais voilà tu pourras voir sur le site donc je te mets le lien dans la description Et Il faut savoir également qu'on a un code de, ré de réduction avec Zombie Factory T'as un code de 10% de remise Donc voilà si jamais ça te tente de commander Au moins c'est bon à prendre de ton côté T'as 10% de remise ça fait quand même 20 ou 30 euros Parce que je crois que ce bureau là il est pas loin des 250-300 euros si je dis pas de bêtises euh, du coup voilà alors il est très sympa tu vois que tu as des, petits, des petites LED RGB ici alors on dirait qu'elles sont pas de toutes de la même couleur mais je te garantis qu'elles sont toutes rouges c'est la caméra qui fait ça tu peux régler les couleurs tu as un petit bouton à droite là-bas tu peux mettre bleu vert tu as du violet tu as plusieurs couleurs tu peux mettre en arc-en-ciel tu, tu peux mettre des atténuations tout ce que tu veux c'est très sympa et du coup, voilà, alors je vais te montrer un petit peu plus également pourquoi j'ai choisi ce bureau. On va se rapprocher quand même un petit peu. Alors, je m'excuse également si tu entends des bruits de craquement. C'est le plancher ici qui est en bois et c'est pas forcément très pratique, mais tu comprendras que le plancher ça se change pas comme ça non plus. Et pourquoi j'ai choisi ce bureau Et bien, tout simplement parce que comme tu peux le voir, il y a un tapis de souris qui recouvre l'entièreté du bureau. Et en fait, moi je fais des grands mouvements avec la souris et du coup, mais voilà, moi j'ai pas, euh, pas de galère de tapis de souris, je suis tout le temps dessus et ça c'est impeccable. Tu auras également. Pu voir ici qu'il y a un support de manette. Il a été fourni avec le bureau. Donc voilà, c'est directement fourni avec le bureau. Alors, ici à gauche, tu as pu voir également qu'il y avait un petit support de casque. C'est également fourni avec le bureau. D'ailleurs, tu peux voir la qualité. Franchement, c'est du bois et du métal. Il est vraiment en très très bonne qualité. Et sur la droite, ici, quand tu longes, tu peux voir que j'ai un petit support pour ma bouteille d'eau. C'est également fourni avec le bureau. Donc, c'est dans le bureau. Euh, donc, tu peux mettre ta tasse de café, etc. Et moi, ça me va très bien puisqu'en fait, j'ai renversé un nombre incalculable de tasses de café sur mon bureau, sur mon clavier. Ça m'est déjà arrivé. Du coup, là, au moins, je suis peinard. Je pose tout ça là. J'ai plus de liquide qui traîne sur mon bureau. Et chose qui a été très appréciable également, c'est que tous les outils sont fournis dans le colis. En fait, voilà, tu as besoin de ton tu as besoin d'une clé, etc. Et bien tout est fourni en fait avec le bureau. Et ça, c'est bien parce que voilà, tu n'as pas forcément tout le temps les outils. Ou les plus jeunes n'ont pas forcément les outils. Ou voilà, enfin moi les outils, il faut que je monte plusieurs étages pour aller les chercher. Du coup, là, c'était pratique. Au moins, j'avais tout. En plus, ils sont de bonne qualité. Et puis comme ça, voilà, je n'ai pas pris trop de temps pour le monter. Ça a dû me prendre 10 minutes en tout pour monter le bureau. Et c'est vraiment top. Donc voilà, n'hésite pas si jamais tu cherches un beau bureau gaming. Franchement, Ultra desk, moi ça me va très bien. Euh, tu vois que la planche est fine, il y a des supports en métal en dessous. Je fais entre 80 et 85 kg. Je m'appuie dessus. Franchement, il bouge pas, il plie pas rien. Tout tient très bien, donc voilà, c'est nickel. Donc voilà, c'est un bureau ultra desk. Alors désormais, je vais te parler également des écrans. Donc celui-ci n'a pas changé, tu l'as peut-être déjà vu. C'est un Samsung en fait, c'est un écran 4K que j'avais acheté pour la PS4 Pro à l'époque. Euh, voilà, avec ton, t'as un port, display port, etc. C'est un 28 pouces, mais je pense que je vais changer parce qu'en fait, euh, j'en ai un peu marre de cet écran. En fait, il est un peu trop grand. Je suis un peu, un peu trop proche du bureau. Et tu sais, dans Destiny, quand tu lances au début l'application, le, le jeu, par exemple sur PS4, même surtout enfin, PC, Xbox, c'est pareil. Quand tu le lances, tu sais, t'as l'écran blanc de démarrage au début. Et bien, en fin de journée, quand tu es fatigué, que as une bonne journée de boulot, je peux te dire qu'il m'éclate les yeux. En fait, l'écran est un peu trop grand. Du coup, je pense prendre un deuxième écran comme celui-ci. Alors l'écran de gauche il m'a coûté à peu près 300 euros et celui-ci je l'ai acheté il n'y a pas très très longtemps, ça, ça doit faire 2 deux mois, 2-3 deux, mois que je l'ai. C'est un MSI, euh, je crois que la référence c'est MAG 241C, donc c'est un 24 pouces, je l'ai payé 200 euros, c'est un écran incurvé. 144hz donc 144 fps avec un temps de réponse de 1 milliseconde donc vraiment il est top celui-ci je l'adore Lynn a acheté pareil elle a acheté deux écrans comme celui-ci et moi je pense que je vais en acheter un deuxième et que je vais revendre mon écran de gauche parce qu'il est un peu trop grand pour moi et que voilà c'est un peu trop proche du bureau tu pu voir ici que mes écrans sont montés sur un pied, donc on appelle ça un ergotron. Alors tu peux regarder un petit peu sur internet si ça te tente. Tu as vraiment tous les prix, hein. tu peux en avoir à 200 euros. Moi je crois que je l'ai payé une cinquantaine d'euros celui-ci. Et en fait c'est très pratique. Alors déjà tu ne perces pas le bureau pour le fixer, c'est fixé en dessous, tu sers tout, tu as des protections pour ne pas abîmer ton bureau, donc ça c'est nickel. Et surtout ce qui est très pratique c'est que tu peux passer les câbles dedans. Tu peux bouger tes écrans comme tu l'entends. Donc là, si je veux, je peux les pivoter, je peux les monter, etc. Enfin voilà, tu fais vraiment tout ce que tu veux avec. Et également, tu n'as pas de pied. Donc tu peux ranger des choses sous ton, ton écran. Et ça, c'est très pratique. Ça te fait vraiment gagner beaucoup de place sur ton bureau. Là, tu peux voir par exemple que j'ai un petit puis Je te montrerai ça plus tard. Mais j'ai un petit mixant sous mon écran. Donc voilà, le Ergotron, je l'ai payé à peu près une cinquantaine d'euros, je crois, sur Amazon. Donc tu peux en trouver vraiment partout. Sur Amazon, je sais qu'il y en a pas mal. Je te conseille quand même de regarder tu sais les étoiles. Si jamais tu veux faire cet achat, de regarder quand même les étoiles, les avis des clients, parce que tu as quand même des, de la qui est moins bonne moi j'ai quand même pris un truc de bonne qualité franchement je trouve que pour 50 euros c'est pas voilà c'est pas trop trop cher c'est raisonnable sur mes écrans ici tu auras pu voir également bien évidemment alors là j'ai une petite webcam logitech euh, je sais plus c'est quoi la référence ça fait longtemps que je l'ai je l'avais payé une centaine d'euros donc ça c'est pour les streams mais je t'avoue qu'aujourd'hui je crois qu'il y a bien mieux il y a vraiment beaucoup mieux que ça et je l'ai monté sur un petit pied voilà comme ça elle dépasse de mon écran au dessus c'est impeccable je peux la régler etc. en hauteur sur les côtés donc je peux la mettre un petit peu où je veux donc c'est impeccable et ici c'est un petit panneau led que j'ai acheté il y a pas longtemps sur Amazon ça coûte euh, une trentaine d'euros voilà et en fait t'as pas de câble donc, tu peux mettre un écran devant, hein. je te rassure, c'est pas tout le temps comme ça. En fait, j'ai un petit écran de couleur un petit peu orangé, j'ai envie de te dire, ça fait un filtre. Du coup, moi, ça m'éclate pas les yeux, mais toi, ça te permet de bien me voir. Tu sais, quand je stream le soir, quand il commence à faire un petit peu nuit, alors bien évidemment, en ce moment, c'est calme au niveau des streams, mais ça reprendra prochainement. Et eh bien, du coup, ici, tu peux voir que ça m'éclaire bien, en fait. Tout simplement, tu verras bien ma, ma tête. Parce que moi, franchement, des fois, je regarde des streams et je déteste voir la personne. Déjà, tu vois que la moitié de sa tête, tu la vois dans le noir et tout, c'est pas terrible. Je trouve que, voilà, quand tu streams, t'aimes bien voir la personne comment le joue et toutes ses réactions. Et voilà, du coup là, au moins tu me verras bien et c'est impeccable, il y a pas de câble, c'est avec un petit chargeur, un petit câble USB qui se branche derrière et au moins c'est impeccable, tu as un bouton, tu t'éteins, tu et tu peux régler aussi la luminosité derrière. Donc voilà, ça c'est au niveau de des écrans, de la webcam et de la lumière que j'utilise. Maintenant je vais te présenter également mon micro micro, euh, donc c'est le Blue Yeti, euh, donc de la marque Blue. Alors il faut savoir que moi j'ai eu énormément de micros, mais j'ai quasiment toujours eu des micros Blue. J'avais déjà eu un Blue Yeti, j'ai eu le Blue Snowball, j'ai eu le Blue Spark, j'ai eu le Blue Spark Digital. Euh, voilà Alors juste avant j'avais un micro d'une autre marque Mais qui m'a lâché très rapidement Et en fait je suis vraiment satisfait de la marque Blue Pour moi c'est une marque, les micros sont hyper solides euh, Voilà le Blue Yeti qui est un très bon micro Si jamais tu veux débuter sur Youtube ou Twitch Alors c'est un budget, hein, je crois que t'en as entre 120 et 150 euros Il me semble si je dis pas de bêtises Mais du coup euh, c'est un budget Mais au moins as une qualité derrière qui suit Si tu le règles bien, si t'as pas trop de bruit euh, environnant autour Et eh bien c'est nickel Franchement ce micro il est nickel Et cette perche qui est une toute nouvelle perche Qui m'a été envoyée également par Blue alors il faut savoir que oui, hein, tout ça, ça m'a été envoyé par Blue Gentiment, la contrepartie, je vais être transparent avec vous La contrepartie, c'était de le présenter dans une vidéo setup Et également de le voir quand on stream Puisque pour eux, voilà, c'est du matos de streamer euh, Alors évidemment que tu vas le voir en stream Puisque le micro doit être proche de la bouche Et que ben, forcément, tu le verras du coup à la caméra Mais du coup, voilà, je tenais quand même à te le présenter faut savoir qu'avant, j'avais une perche Rode PSA1 Donc qui est très connue euh, mais maintenant, tu as cette perche Blue qui, pour moi, est largement supérieure à la Rode PSA1. Euh, déjà, dans le matériau utilisé, tu peux voir que ça paraît beaucoup plus solide et c'est beaucoup plus solide. Faut savoir que le micro, le Blue Yeti, c'est un micro qui, fait, qui pèse quand même assez lourd et tu peux voir que la perche, elle ne bouge pas. Donc, tu peux la resserrer, hein, tu peux vraiment durcir les. j'ai envie de dire les les Petites articulations que tu peux trouver sur le micro, le pied de micro, et tu vois, voilà, c'est vraiment de qualité. Donc, ici, c'est serré au bureau, ne t'inquiète pas, c'est pas percé, c'est serré, donc ça abîme pas le bureau. Et, et franchement, c'est nickel, je suis très content de cette perche. En plus, donc, tu peux t'apercevoir ici que tu peux en fait ranger le câble, donc, évidemment, tu le vois passer là, mais après, tu as des, des petites. Euh, des petites saignées pour mettre ton câble, donc c'est très pro. Avant sur la PS1 1 de Rod, en fait, ça, ça se baladait un petit peu partout. Là, c'est très pro. Et voilà, franchement, si jamais tu cherches donc, une perche et un micro pour commencer, pour te lancer ou même voilà pour changer de matos, fonce parce que moi, je suis vraiment très satisfait de ça. C'est pas parce que voilà ouais, ils nous ont proposé de nous envoyer ça que je te dis que c'est bien. C'est parce que moi, je connais ce micro, je l'avais déjà utilisé auparavant que j'ai accepté de faire ça. Et voilà, je te garantis que c'est un, un matos de très très bonne qualité. Je vais te parler de la tour avant de continuer. Alors, déjà, tu verras que j'ai toujours la PS4 Pro derrière. Tu m'excuseras derrière, j'ai des, des trucs pour le taf. Alors, comme je te l'ai dit, c'est mon lieu de travail. C'est pas forcément très grand. Du coup, c'est vrai que c'est pas facile à ranger. Bon, t'as toujours un peu de trucs qui traînent. Mais bon, tu comprendras que voilà, quand on est au boulot, en même temps, sur son lieu de vie, etc., c'est pas tout le temps facile. Que ça soit nickel. En tout cas, voilà, ça c'est ma tour que j'avais acheté chez Top Achats. Donc, sur internet, j'avais fait une config il y a deux ans à peu près. L'IN avait la même. Elle a la même de toute façon. Donc, je l'avais payé 1500 euros à l'époque. Donc, avant, j'avais un i7, 7 1700K, j'avais une GTX 1070 que j'ai toujours d'ailleurs. J'avais 16 Go de RAM, une carte mère je sais plus c'était quoi. Et là on a changé du coup nos deux tours avec Lin, ce sont vraiment les mêmes. À chaque fois qu'on fait des modifications, on modifie les deux. Du coup j'ai mis un i9 dedans i9 9900K qui m'a coûté 650 euros donc j'ai remis ça dans le PC sachant que le i7 je l'ai revendu hein, donc à chaque fois tu remets un petit peu au bout euh, j'ai mis 32 Go de RAM j'ai changé la carte mère j'ai changé également le ventirad vraiment j'ai mis du matos tout neuf donc c'est nickel faut savoir que j'ai fait ça tout simplement parce que quand tu stream et que tu joues en même temps sur PC il faut quand même une machine qui tourne bien si tu n'as pas envie de réduire la qualité donc voilà surtout que j'ai la fibre optique donc derrière je peux envoyer vraiment de la qualité au niveau euh, au niveau du flux donc ça c'est nickel et voilà et au niveau également ce que j'ai dedans j'ai un boîtier Elgato de capture une carte d'acquisition donc qui me sert pour capturer le gameplay de la PS4 en fait tu as un câble HDMI qui relaye euh, la PS4 au PC et un autre câble HDMI qui va du PC à mon écran. Et comme ça, entre temps, bah, tu as la tour de PC qui capture le gameplay de la PS4. Donc ça, c'est très pratique également. Et voilà, donc cette tour qui est top. Et je pense que bientôt, le prochain achat, ça va être une carte graphique RTX 1080. Puisque pour moi, quand tu as un i9 32Go de RAM et que bah, tu as encore une carte graphique 1070, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu le, le bémol de la tour. Et du coup, voilà. Alors, je ne vous ai pas dit également, hein, cette tour me, me sert bien évidemment pour le taf. Donc euh, au niveau des logiciels, je peux te montrer rapidement. Sur le PC, peut-être que tu verras en bas. J'utilise en fait Photoshop, Sony Vegas, euh, j'utilise Audacity pour les sons, j'utilise OBS pour le stream, j'utilise euh, euh, Streamlabs également, j'ai un logiciel également pour mettre des chronos, j'ai After Effects, voilà, j'ai vraiment plein de logiciels. Après, j'ai des launchers, et bien évidemment, après, j'ai Word, Excel, des trucs de comptabilité, etc., mais ça, tu les verras pas, c'est dans un autre dossier, c'est caché, c'est pour mon taf, voilà, c'est dans un petit coin. Mais du coup, voilà, j'utilise ce, ce PC pour jouer, pour faire mes montages vidéo et également pour le boulot. Quelque chose que je t'ai pas montré également, c'est que j'ai une petite ardoise Veleda comme ça, donc qui était cachée derrière l'écran. Et en fait, d'un côté, je promets mes note pour le taf, donc tout ce que j'ai à faire pour le taf. Et de l'autre côté, en fait, c'est pour les vidéos. Quand j'ai une petite idée de vidéo en tête, etc., je la note dessus comme ça. Voilà, en gros, c'est un petit pense-bête. J'ai dû payer ça sur Amazon 10 euros et je trouve ça pratique et je peux le mettre derrière l'écran. Ça prend pas de place. Et voilà, c'est nickel. Et il faut vraiment également que je te parle de ce boîtier. Il m'a vraiment changé la vie. Je pense que si t'es sur PC, que t'es streamer, youtubeur. Ou même que tu passes vraiment beaucoup de temps sur ton PC, ce boîtier peut vraiment te changer la vie. Alors déjà, au niveau de la marque, c'est Elgato. Ils me l'ont envoyé également gentiment. Il faut savoir que depuis que je l'ai, euh, je l'utilise beaucoup. Eline du coup a pu le tester sur mon PC et elle s'en est acheté un de son côté. Alors ce modèle-là coûte 150 euros. Il y a 15 touches. Tu as un mini Stream Deck qui coûte 99 euros qui a 6 touches et tu as également le Stream Deck XL qui a 24 touches et lui par contre qui coûte 250 euros. Alors tu as 15 touches, mais ce n'est pas 15 touches limitées. En gros, tu peux créer des dossiers. Par exemple, ici, j'avais un dossier jeu. Je peux ressortir. Ici, j'ai un dossier stream. Voilà. À chaque fois, ça va changer. Et tu peux paramétrer vraiment ce que tu veux avec un petit logiciel gratuit que tu peux télécharger une fois que tu as acheté ce petit boîtier. Alors... Euh, à quoi ça me sert au quotidien En gros, moi, ça va me servir par exemple à lancer des logiciels, à ouvrir des sites. Tu fais vraiment tout ce que tu veux en fait, à, à lancer des captures sur PC. Un exemple ici, j'ai envie de regarder un petit peu les informations sur Twitter. J'appuie sur le petit logo Twitter. Hop Et ça m'ouvre Twitter, pardon, directement. Je peux faire pareil avec YouTube. Tu vois que j'ai mis Canal Plus parce que j'aime bien regarder les matchs de foot. Du coup, voilà, j'ai Canal Plus. J'ai le gestionnaire des tâches. Ici, j'ai pour paramétrer ma souris Logitech. Là, j'ai Photoshop. Ici, j'ai Nvidia. Voilà, Nvidia. Donc par exemple, sur PC. Tu sais pour euh, si tu joues sur le sors de PC que pour REC il faut que tu fasses euh, Alt je sais plus quoi F9 ou F10 pour lancer ton REC et bien moi j'ai juste ici ça le lance et après je rappuie et ça le coupe voilà c'est vraiment pratique c'est nickel je peux faire des captures d'écran qu'est ce que je peux te montrer d'autre donc euh, par exemple si je veux lancer un jeu j'ai paramétré ça donc là j'ai tous les jeux que j'ai J'appuie sur Destiny 2 par exemple. Là, tu vas voir qu'après avoir chargé un tout petit peu, ça va me lancer Destiny 2 sur l'écran. C'est vraiment très pratique. Alors par exemple, pour ceux également qui jouent à Fortnite, j'ai vu des vidéos. Alors vraiment, c'est vraiment pour... Pour faire quelque chose, enfin je pense pas que ce soit le mieux mais il y a des gens qui ont paramétré des touches donc une touche pour faire un escalier, une touche pour faire un mur, une touche pour faire un sol, une pour un plafond et voilà en gros ils vont construire avec ça euh, directement sur Fortnite. Donc c'est vraiment très pratique, tu le paramètres comme tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux lancer tes streams etc alors là j'ai un petit message d'erreur sur Destiny on s'en fout et du coup voilà. C'est le Stream Deck et ça, moi, ça m'a changé la vie. Je passe tout par là, mes captures d'écran, mes captures sur PC, etc. Et si jamais, bien, tu, tu, tu recherchais ce genre de matériel, bah fonce Elgato Stream Deck, c'est vraiment de la qualité. En plus, au niveau du produit, c'est top. Tu peux également le mettre à plat, le sortir, régler l'inclinaison. Voilà, tu fais vraiment tout ce que tu veux et c'est juste branché avec un câble USB à l'arrière. Au niveau du son, j'utilise ici le euh, Astro, le Mixamp Astro. Alors, ça, ça, ça coûte à peu près 110 euros. Je l'avais payé, je crois. Ça le casque tu as ici un câble usb qui est relayé au PC et un câble optique qui est relayé à la play et je peux régler plus ou moins de son vers le PC ou vers la play en gros voilà c'est pour ça on communique avec Discord et du coup il faut mettre plus ou moins de son vers Discord ou plus ou moins de son vers la PS4 et j'ai mis dessus des écouteurs iPhone tout basique voilà je trouve que le son ressort très bien avec donc moi ça me va parfaitement. Et du coup voilà, c'est des écouteurs iPhone pure et simple en jack. J'aime plus les casques en fait, je supporte plus du tout avoir un casque sur la tête. J'ai l'impression de rien entendre de ce qu'il y a autour. Du coup voilà, pour moi les écouteurs c'est parfait, c'est léger et c'est top. Voilà, ça doit faire deux ans maintenant que j'utilise que des écouteurs. Je vais présenter maintenant euh, bah, ma souris et puis mon clavier du coup qui sont d'une marque Logitech. Alors j'ai découvert cette marque en fait, enfin je ne l'ai pas découvert mais j'ai découvert ces accessoires-là euh, pendant un événement en thème et du coup il y avait cette souris qui était présente. Alors c'est là, la... j'ai... 502 euros, donc celle-ci je l'ai acheté. Alors je pourrais plus te dire le prix. Je crois que c'est aux alentours de 80 euros. J'ai dû le payer et j'ai acheté également ce clavier. Alors celui-ci, c'est le G513 Carbone. Il est magnifique en fait. Il a un petit effet aluminium. Je sais pas si tu peux le voir. Un aluminium un petit peu brossé. On voit mal à la caméra, ça fait mal le focus. Et voilà, ça fait un effet aluminium brossé et il est sublime vraiment. Et euh, celui-ci, bon, il doit coûter aux alentours de 150 euros, je crois un petit port USB également juste ici derrière si tu veux brancher une clé USB etc c'est connecté directement sur ton PC donc c'est pratique et voilà donc ça c'est un ensemble logitech qui est une très bonne marque voilà donc ça je l'ai acheté moi même mais franchement je suis très content de cette marque très satisfait également une dernière chose pour conclure cette vidéo que je souhaitais te montrer en fait c'est notre Discord en fait on a voilà on avait créé un Discord sur PC euh, il y a un petit moment mais c'était plus pour les joueurs PS4 mais c'est vrai que ça fonctionnait pas beaucoup puisque les joueurs PS4 sont beaucoup plus en partie mais cette fois ci il va être orienté beaucoup plus PC et nous on va être dessus puisqu'on va jouer sur PC Dès que le cross-save sera mis en place. D'ailleurs, on joue déjà dessus hein, pour le moment, mais sur PS4. Et du coup, alors là, t'as pas grand monde de connecter, mais le soir, t'as un petit peu plus de monde. Et tu vois, t'as plein de salons sur la gauche. T'as des trucs où tu peux discuter tranquillement, genre barachicha, etc. C'est vraiment pour rigoler. Après, t'as des trucs un petit peu plus sérieux. Tu vas voir les des, des textes également avec toutes les, les stratégies du dernier raid, les infos, etc. T'as vraiment plein de choses. Les gens peuvent mettre ce qu'ils veulent, venir chercher des joueurs. Donc voilà. Et si jamais toi aussi, tu vas faire partie de, des changements de, de plateforme, tu vas passer de PS4 à PC ou du Xbox à PC. et eh bien écoute, je t'invite à nous rejoindre sur Discord si ça te tente. On va ouvrir le clan, de toute façon Zombie Factory il va être ouvert. On va recruter un petit peu de monde pour nous rejoindre sur PC. Donc si jamais ça te tente ou que tu cherches des joueurs, eh bien rejoins-nous, je te mettrai directement le lien du Discord en description de cette vidéo. Et eh bien voilà, c'est la fin de cette vidéo setup, j'espère qu'elle t'aura plu, alors ne t'inquiète pas si jamais toi tu souhaites venir sur PC pour Destiny 2, tu n'as pas besoin de tout ça, bien évidemment, moi c'est pour mon petit confort personnel, c'est des choses que j'ai pu acquérir au fur et à mesure du temps, mais vraiment un écran, un ordinateur, ça te suffit, surtout que tu n'as pas besoin d'un ordinateur à 2000 euros. Un ordinateur à 7 800 euros fera très bien tourner le jeu. Destiny 2 n'est pas un jeu qui est très gourmand sur PC. Tu n'as pas besoin d'une grosse config. Il faut savoir qu'un ordinateur, pour moi, c'est beaucoup plus pratique qu'une console puisque tu peux l'améliorer au fur et à mesure. Tu vois, moi, j'ai acheté des pièces que j'ai pu remettre au fur et à mesure pour que le PC soit à jour. Et ça, c'est vraiment très pratique, beaucoup plus pratique qu'une console pour moi. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires de cette vidéo et je te répondrai. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et infos sur Destiny. Prenez soin de vous. Tchuss